Il y aura au travers de cette présentation de l'œuvre de General Morton d'autres musiques qui proviennent à la fois du ragtime et d'une musique qu'on appelle le piano stride, qui est un petit peu la transformation du ragtime en véritable jazz. Et je pense qu'avec ce programme, on va pouvoir préciser vraiment des choses de manière très claire sur qu'est-ce qui a été à l'origine du jazz, pourquoi cette musique a été jouée à telle période, où elle était jouée et comment le jazz est né. De manière, je dirais, plus qu'anecdotique et plus que folklorique. Les pièces en orchestre sont jouées par batterie, banjo, contrebasse, les trompettes, les trombones, donc on aura quelque chose de très brillant, de très éclatant. Venir voir ce spectacle en matinée, puisqu'il sera joué en un dimanche après-midi, c'est un peu comme venir dans un parc, écouter les bruits, les couleurs et participer à une espèce de promenade, comme on ferait un dimanche après-midi avec les enfants, avec la famille. Et contrairement à ce qu'on pourrait faire sur un concert plus figé, où on vient écouter religieusement un musicien qui s'exprime, là je pense que c'était intéressant de proposer quelque chose de plus ludique et de plus voyageur quelque part.